j'ai fait quelques années au Conservatoire de Toulouse en chant lyrique. Pendant ce temps-là, je faisais du théâtre à côté, de la danse, mais c'était plutôt axé autour de la scène. Et l'année dernière, je me suis rendu compte que c'était vraiment le théâtre qui me faisait vibrer. Et voilà, donc je suis monté à Paris cette année et j'ai eu la chance de venir aux Portes Ouvertes et d'arriver ici. C'est une manière de remuer un peu, en fait, toute la merde qu'il y a dans l'homme et en faire quelque chose de beau et le porter sur scène. Et se dégager en fait de tout ce qui peut être pesant, de laisser surgir le rire, de laisser mettre la vie sur scène et l'observer. Ça a vraiment développé une conscience de soi, des réactions, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et en fait, ça change tout dans les relations aux autres, dans la relation au monde en général. On a une équipe pédagogique qui est vraiment géniale. Les méthodes utilisées, ça repose toujours sur beaucoup, beaucoup de bienveillance. Ça, par rapport au conservatoire, c'est un énorme changement. Et en fait, ça permet de s'épanouir et de revenir à soi, justement, sachant qu'on est vraiment l'outil de travail, c'est hyper important. Et bien sûr, l'ambiance de la promo, c'est-à-dire qu'il y a une vraie attention à créer une dynamique de groupe. Et ça se ressent, en fait. Ça fait qu'on est un vrai groupe soudé et qu'on avance en s'épanouissant aux côtés d'autres acteurs, en fait, et ça, c'est vraiment génial. Pour mes examens, j'ai fait un nu, en fait, sur le monologue. Et il se trouve qu'il y a eu un quiproquo au moment de passer sur scène. Il y a un autre groupe qui est venu changer tous les décors en pensant que c'était à eux. Ce qui fait que je me suis retrouvé donc pas mal stressé et à poil derrière le rideau à entendre ce qui se passait, je comprenais rien. Passer aux Portes Ouvertes pour rencontrer les profs et voir le feeling. Venir et voir quoi. Essayer et se lancer. De toute manière, il y a eu cette première année où on est plus nombreux, donc c'est un peu une année aussi de test pour tout le monde, quoi.